Filles, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un peu tranquille. Donc là, je suis désolée pour ma dégaine. Là, j'ai mis un gros pull parce que en fait, il fait très très froid aujourd'hui. Je sais pas il y a quoi, mais voilà, j'ai très très froid. Donc du coup, je me suis dit, je vais filmer comme ça. C'est pas grave. De toute façon, c'est moi quoi. Donc j'espère en tout cas que vous ça va. Moi, je voulais vous présenter. Je sais pas si vous savez là, à la sortie, sa nouvelle collection d'été qui est très 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 sympa parce que j'ai été à la soirée et du coup j'ai pu sélectionner des articles que je vais vous présenter. Je vais vous intégrer dans cette vidéo aussi des images de la soirée, comme ça vous allez voir, j'ai essayé de filmer plusieurs trucs durant la soirée parce que là vous pensez bien que j'ai pas tout acheté et je pourrais pas voilà, acheter pour acheter, ça m'intéresse pas. Mais voilà, j'ai déniché des petites pépites, mais surtout j'ai essayé de faire plaisir aussi autour de moi parce que voilà, on va dire j'ai trop de trucs donc voilà. Mais la collection, le truc que j'ai craqué, c'était plus au niveau de la collection chez les enfants. J'ai beaucoup aimé la collection des enfants et aussi la collection des femmes. Donc voilà comment se présente mon gros sac. Donc on va commencer. Je pense que je vais piocher et je vais prendre d'abord tout ce qui est pour moi. Donc tout d'abord j'ai craqué pour ce petit top qui était à 2850, qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup beaucoup la couleur. C'est vrai que ça fait un peu couleur automne on va dire, mais vu que c'est crop top, vous voyez, et c'est pas trop court. J'essaierai de toute façon de porter les vêtements si je peux, mais de toute façon si je ne les porte pas dans cette vidéo, normalement vous allez voir ça sur Instagram ou sur Facebook. J'essaie en général de toujours porter ce que je présente. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit top qui se porte. Vous savez, c'est les hauts épaules dénudées que j'aime beaucoup. Ensuite là, vous avez des boutons et je pense pas. Ouais, c'est juste pour de la déco les boutons. Et ensuite ça s'attache avec un petit nœud ici. Derrière vous avez un élastique et moi j'ai pris la taille 42. Donc voilà comment il se présente. Il est très 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 beau. Je dis des bêtises, mais pourquoi je dis j'ai pris la taille 42, j'ai pris la taille 44, mais je me disais bien parce que vaut mieux prendre une taille en dessous parce qu'en fait sa taille assez grand vu que voilà, c'est élastique un peu partout, même sur les manches. Et voyez que au niveau des bras c'est assez large quand même. Donc voilà pour ma petite mon premier petit craquage. J'ai pris cette magnifique robe. Je sais que ça va pas être au goût de tout le monde, mais moi je kiffe ce genre de robe. Donc c'est une robe qui se présente comme ceci. Elle est à 3600. Et regardez-moi comment elle est belle. Là, vous avez des gros boutons. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Et après, c'est que des petites fleurs blanches sur un fond orangé. Comme ça, elle n'a pas l'air stylée. Mais je vous jure, ça, on voit bien justement porter. Et de toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai... Voilà, moi je la vois bien portée, vous savez, avec ce genre de ceinture un peu western. Là, j'aime beaucoup en plus le combo de ça. Et c'est une matière qui est très 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 fluide, pas du tout désagréable. Et j'aime beaucoup beaucoup cette petite robe. Ensuite, j'ai pris cette magnifique, je suis obligée de me pousser un peu, cette magnifique jupe que j'aime beaucoup, avec cet effet un peu plissé qui retombe, mais à la perfection. Et ça pareil, ça avec un petit top un peu en débardeur comme ça, vous voyez, pour l'été, oh, ça va être juste trop trop beau. Et puis celles qui ont un petit bidou, voilà, genre comme moi, ça on peut le porter facilement taille haute, c'est encore plus joli.
que de la porter taille basse. Enfin, pour moi, je trouve ça plus joli en taille haute. Et vous voyez qu'elle est juste très très belle. Vous voyez comment elle retombe, elle est juste tip top. Et ça, vaut mieux prendre une taille en dessous aussi, les filles, parce que voilà, vous avez un élastique. Donc, vous voyez, vous avez de quoi faire. Et la jupe, elle était à 3950. Ensuite, pour mon papa, j'ai pris, je voulais lui faire plaisir, j'ai pris une petite chemise toute douce parce que lui, il est un peu compliqué en termes de vêtements et il aime beaucoup les trucs parce que c'est quelqu'un qui transpire beaucoup, il aime beaucoup les trucs assez légers, assez fluides. Et j'ai trouvé cette jolie petite chemise, voilà, qui, vous voyez, elle est très, très, très fluide. Elle est agréable sur la peau, j'aime beaucoup et j'ai complètement craqué sur le modèle, sur le tissu, tout. Et ça, c'est quelque chose, ça se voit que ça laisse passer la fraîcheur, ça tient pas chaud. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, et là encore, on retrouve un peu les mêmes couleurs que ce que moi, j'ai acheté pour moi. Et la chemise, elle était à 2900. Donc, vous voyez, à 2900 pour cette qualité-là, moi, je dis oui. C'est dommage, je pense pas qu'il y avait en d'autres couleurs. Sinon, j'aurais pris en toutes les couleurs. Si vous avez des petites filles foncées, il y a des belles choses. Si je pouvais, j'aurais craqué pour ma nièce parce que moi, j'ai pas de vie. Mais j'ai craqué pour ma nièce. Du coup, j'ai pris cette jolie petite robe. Et vous voyez les couleurs? C'est des couleurs d'été, j'adore. C'est des petites pastèques un peu fluo. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous voyez, c'est très léger, très fluide. On voit que ça laisse passer la fraîcheur. Et là, j'ai pris en taille 6 ans. Et devinez le prix, vous n'allez pas croire. J'ai pris cette petite robe à 500 francs. 500 francs. Et moi, j'ai eu la remise parce que à cette soirée, on avait droit à 10%. Donc voilà quoi. Ensuite, dans le même style, j'essaierai de faire des photos des robes, des petites robes portées. Mais les filles, je vous dis, il y avait énormément. Je vous mettrai une petite vidéo où j'avais vu des petits ensembles. Oh là là. Ensuite, j'ai pris celle-là. Je kiffe trop celle-là. C'est des petits citrons. Vous voyez, toutes simples, toutes légères. Vous avez des petits volants sur les côtés. Et je la trouve trop, trop belle. Et pour le prix, hein. Et celle-là, j'ai payé 600 francs. Donc, vous voyez des belles petites robes comme ça pour changer pour les petites filles. Ça vaut largement le coup. Et ensuite, j'ai craqué pour ça. Pour cette petite combi. Ah, c'est pas une combi. Ah non, c'est une robe. Cette petite robe avec les épaules un peu dénudées parce qu'elle est tellement coquette, ma petite nièce. Et j'aime beaucoup ce petit rouge-là. Et voilà, là vous avez un petit nœud, c'est élastique. Et puis voilà quoi, elle m'a coûté, celle-là je crois elle a coûté un peu plus cher, 1850. Parce que voilà, elle est vraiment très très belle celle-là. Et ça a un effet un peu, je sais pas si vous voyez bien, un peu bandana, vous savez. Donc voilà pour cette petite robe que j'aime beaucoup. J'ai complètement craqué pour elle. J'ai un petit neveu aussi et j'ai craqué pour lui. J'ai pris, comme il est encore en petite maternelle, donc voilà, sa mère a du mal à lui trouver des petits shorts comme ça. Et là, il y en avait beaucoup. Donc, j'ai craqué sur ce petit short, vous voyez, élastique. De toute façon, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il leur faut quand ils sont en petite maternelle. Parce que voilà, ils n'ont pas le temps et puis c'est désagréable pour eux encore, ils sont tout petits, de devoir déboutonner la braguette. Non, ça c'est mieux, c'est rapide et puis voilà. Et en plus c'est en coton, c'est très très léger pour l'été, pareil. Et j'ai pris ça pour aller avec. J'ai trop kiffé. Donc je sais pas si vous allez voir les motifs, mais j'aime beaucoup. Je trouvais que ça allait bien avec... avec ça et ça lui faisait un petit ensemble. Et je vous ai pas dit le prix du short. Le short m'a coûté 600 francs et le petit t-shirt 700 francs. Et pour la qualité, ça vaut largement le coup. Vous voyez que vous pouvez faire des bonnes affaires quand même à la halle pour les tout petits. Ensuite, pour lui,
Sa mère, elle galère à trouver des sandales parce qu'il a des gros pieds. Mais il a que 3 ans, hein. Mais il a des gros pieds. Et là, on n'a trouvé pas. Parce qu'il adore les sandales. Et là, j'ai complètement craqué. Et là, vous voyez, là, j'aime beaucoup. Et c'est assez... Voilà, c'est assez costaud, quoi. Et j'aime bien parce que c'est... C'est vrai que les sandales, en général, moi, je trouve pas ça très, très beau. Alors que là... Ah non, mais là, c'est stylé, carrément. Noir et blanc, comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Et ça, pour les tout petits, c'est juste génial. Et je pense que c'est... Voilà, c'est bien confortable. Et la chaussure, elle m'a coûté... 3250, mais les filles, ça vaut largement 3250. Parce que je vous dis qu'elle est hyper de très bonne qualité. Hein. Regardez. Là, c'est à scratch. Ah non, mais moi, je kiffe. Je kiffe cette paire de chaussures. Elle est trop, trop belle. Et il va être trop, trop content. J'essaierai de vous mettre une photo de lui ou une petite vidéo de lui avec l'ensemble. Et ensuite, le dernier truc que j'ai pris, vous avez aussi les chaussures, les filles. Vous avez des belles paires de chaussures, des compensées surtout. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et vous avez tout ce qui est collection Adidas, tout ça. Oh, en paire de baskets, allez voir parce que c'est des jolies couleurs d'été. C'est des couleurs assez pastel. J'essaierai de, si j'ai fait une vidéo sur ça, je pense que oui, j'essaierai de vous intégrer. J'ai voulu me prendre une, mais je me suis dit non, contrôle-toi parce que t'en as déjà trop. Et honnêtement, les filles, j'ai trop de paires de chaussures. Mais si ça tenait qu'à moi, j'aurais craqué. Surtout, il y avait une paire d'Adidas. Je crois que c'était une paire d'Adidas rose un peu pastel. Oh, elle est juste trop, trop belle. Et il y avait une autre aussi que je voulais, mais il n'y avait plus ma taille. Et ensuite, j'ai craqué. J'ai craqué pour une paire de chaussures pour ma petite soeur qui est encore... j'ai une petite soeur qui est encore au collège. Et là, j'ai craqué complètement. C'est complètement son style. Mais en rentrant à la maison et en essayant, je me suis dit... Oh, j'ai envie de, voilà, de garder pour moi. Donc, je pense que je vais aller la prendre pour moi. Parce que je la trouve trop, trop belle. Vous êtes prêts? Oh, elle est trop, trop belle. Je kiffe. Je la kiffe. J'ai même pas envie de lui donner tellement que je kiffe cette paire de chaussures. Ah non, mais regardez-moi. Elle est trop, trop belle. Là, vous avez la semelle compensée. Qui est super costaud. Et là, vous avez des effets tachetés un peu. J'aime beaucoup ce style. Ensuite, vous avez tout ce côté un peu... Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un peu blanc pailleté. J'aime beaucoup. Et ça va totalement avec le doré. C'est pas un doré claquant. C'est un peu un doré argenté. Et les lacets, vous avez quelques petites dorures dessus. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais honnêtement, les filles, genre... Là, je vais essayer d'aller voir s'il y a pas, s'il y a encore ma pointure parce que là, non mais les filles, dites-moi, elle est canon et ça, je vois bien ça avec une paire de leggings, un tricot, un sac porté en bandoulière. Ah non mais ça, je kiffe trop. Même les filles, la grande tendance du moment, les cyclistes. Mais moi, je kiffe cette tendance, les cyclistes avec des grands t-shirts, j'aime beaucoup. Et porter ça, porter avec, oh là là. Donc, voilà, donc pour l'instant, c'est encore avec moi. Je Non, mais je pense que je lui ai donné parce que voilà, elle est jeune. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère que ça pourra vous donner des petites idées de ce qu'il y a à la halle. Mais surtout les filles, n'hésitez pas, surtout pour les petits, vous avez vu, c'est pas cher, essayez de vite aller. Et puis pour l'été, c'est agréable de leur donner des vêtements comme ça qui sont très légers, très fluides. Et puis voilà, vous avez notamment... tout ce qui est chaussures compensées, je sais pas si je vous ai dit, vous avez tout ce qui est chaussures compensées, les pépites, les chaussures compensées, vous avez
énormément aussi de paires de sandales. Vous avez de belles robes. Je crois que j'ai filmé les robes et même j'avais mis sur mon compte Instagram. Mais bon, voilà, j'ai déjà assez de robes comme ça, donc je ne veux pas. Mais voilà, si ça tenait qu'à moi, je pense que je les aurais pris. Il y en avait deux que j'ai kiffé. Et puis voilà, mais vous avez énormément de choix, mais voilà, je pouvais pas tout prendre. Et puis comme je vous ai dit, acheter pour acheter, ça sert à rien. Donc voilà les filles, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai oublié de vous dire, j'aimerais bien faire une vidéo aussi, vous présenter tout ce qu'on peut retrouver en termes de sous-vêtements de tous les jours, de sport à la halle. Je sais pas trop si ça peut être une vidéo intéressante pour vous. Dites-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Chez les petits garçons. C'est celle-là, là. Attachée comme ça, c'est la mode. Ici, elle a, je crois. Ça, pour les petites filles. Regarde, ça n'a même pas là. Jolie, cette couleur. J'aimerais bien avoir une basket comme ça. Là.